les donateurs de GoFundMe.com. Je suis Bakat en direct du Cameroun et du Canada. Donc, je suis là pour vous présenter un projet initié par Anthropologique.com qui porte sur les cartes d'identité postale. Vous voyez là? Les cartes d'identité postale. Donc, ces cartes d'identité postale consistent en quelque sorte, permettent en quelque sorte de résumer, des scènes, supposons des problèmes, et que quand on n'a pas besoin de trop parler, il suffit juste de présenter ces cartes d'identité postale en fait. Je vais vous prendre trois différents exemples. Le premier exemple, vous voyez là, le premier exemple porte sur une scène de vol, ou peut-être que je suis la victime et que le voleur est là. Mais quand le policier arrive, peut-être qu'il crie au voleur et on me prend pour la voleuse. Alors que c'est pas moi la voleuse, je suis la victime. Donc il tourne en fait, il tourne la scène à son avantage. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est juste pour ne pas trop parler, vu qu'il y a déjà des chahuts. Ne pas trop parler, il faut juste présenter sa carte d'identité postale au policier et lui indiquer la scène. Voyez-vous? Le premier exemple, lui indiquer la scène. Donc ça va permettre au policier de faire une enquête totale, impartiale. Donc ça va l'aider à bien faire son enquête après. Puis faire une enquête totale. Ça va? Ok. Maintenant pour le deuxième exemple. Prenons l'exemple d'un bombardier de guerre, voyez-vous? Là, c'est notre bombardier de guerre. C'est notre bombardier de guerre ici. Vous avez là les ailes et le cockpit. Donc, peut-être que le 100%, donc sans bombardier, le 100% part en guerre. Mais c'est seulement la moitié qui revient. C'est la moitié qui revient. Et la moitié revient avec des ailes trouvées, voyez là? Ils ont les trous partout là. Donc, que faudrait-il faire? Il faut juste poser la question. Que faudrait-il faire pour que ces bombardiers-là reviennent à 100% et non la moitié en fait, à 100%? Donc, c'est simple. Au lieu de renforcer les ailes, il faudrait plus renforcer le cockpit. Il faudrait plus renforcer le cockpit parce qu'une seule balle, si une seule balle transperce le cockpit, l'avion va couler. Donc, ce qui fait en sorte que jamais le 100% des bombardiers de guerre ne reviennent. Donc, il faudrait juste renforcer le cockpit et ça fera l'affaire. Donc, c'est juste la question qu'il faudrait se poser. Et maintenant, pour la troisième exemple, nous allons prendre l'exemple d'une compétition qui va se passer dans le désert. Et quand on entend par désert, il faudrait se ravitailler le plus avec de l'eau. Donc, nos compétiteurs vont transporter de l'eau dans des sacs de plastique. Supposons que ce sont nos sacs de plastique ici, où nous allons transporter de l'eau. Voyez-vous? Donc, maintenant, le compétiteur se dit qu'il n'y aura pas de piège, en fait. Qu'il n'y aura pas de piège, rien du tout. Il n'a pas préparé son esprit à être... à ce que son concurrent fasse un double jeu. Il n'a pas préparé son esprit à cela. Mais son concurrent vient avec un aiguille, par exemple. Il prend un aiguille, il transperce son sac de plastique. Il le transperce. Et maintenant, c'est au beau milieu du voyage. Arrivé là, au milieu du voyage, c'est là que notre compétiteur se rend compte que son sac a été transpercé, maintenant qu'il perd de l'eau. Et il a besoin d'une aide pour pouvoir continuer la course. Donc, que faudrait-il faire? Il ne va pas quand même repartir en arrière pour pouvoir renforcer son plastique, son sac en plastique. Non, ça va le faire perdre. Donc, qu'est-ce qu'il devrait faire? Que faudrait-il faire? Bon, disons qu'il doit, comme solution, il doit peut-être encore plus déchirer en fait. Déchirer encore plus, aggraver la situation et pour pouvoir faire un nœud.
voyez-vous, pouvoir faire un nœud qui va peut-être apaiser et lui permettre de pouvoir continuer son voyage. Voyez-vous, de pouvoir continuer son voyage. C'est la solution qu'il doit prendre en fait. Donc, ce sont les trois exemples que, ce sont les trois scènes que résume notre carte d'identité postale. Ces trois scènes se résument là. Donc, il faudrait juste présenter ça pour résumer ces trois scènes. Donc, on n'a pas trop besoin de parler. Donc, nous avons le projet de réaliser 1000 cartes d'identité postale qui coûtent chaque 5 dollars. Donc, nous demandons une donation de, 5 000 dollars en raison de, 5 dollars par carte postale. Donc, chaque donateur recevra une carte postale dans sa boîte postale. Donc, c'est ça. Eh bien, merci. Merci à GoFundMe.com. Je suis Placate en direct du Canada et du Cameroun. Et je vous ai présenté un projet de Anthropologie.com qui porte sur les cartes d'identité postale. Donc, demandons une donation de 5 000 $ pour pouvoir produire ces cartes postales. Merci et au revoir.